Voilà, la dernière fois il pleuvait, là il pleut plus. C'est déjà pas mal. Donc nous allons passer le pont. Viens. Attends, tu vas le redire là parce que il y avait trop de bruit dans le tunnel. Vas-y, redis-le maintenant. La paix pour tous les peuples, le bien et le mal, et dans tous les pays, dans toutes les communautés. Il n'y a pas une communauté meilleure que l'autre. On est tous des humains, vivons ensemble. Hey, j'ai une question à te poser. Des fois, même dans les petits, ils se bouffent entre eux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi? Parce que c'est l'ego. Et l'ego, faut le mettre dans sa poche. C'est ça. L'intelligence, c'est pas l'égoïsme, c'est ça. C'est le partage. C'est ça, mais il y en a qui sont prêts à bouffer père et mère. Hein. Ça me fatigue. Ça, c'est le propre de l'homme. C'est ça, et c'est pour ça que là-haut, ils sont contents. Diviser, c'est régner. Faut réfléchir. C'est ça. Merci. Merci. C'est quoi ton prénom? Moi, ouais, c'est Seb. Seb, merci Seb, merci. Voilà, c'est ça, putain. C'est ça. Game over. Paralympique.
Voilà. Alain, tu veux pas aller à la salle faire un peu de sport? Regarde. Magic Form. Oui, non. Non, t'en fais toute l'année. Je le fais le samedi. Et gratuitement. Oui. Et pour le plaisir avec oui. du cœur. Oui, oui. Hein, c'est ça. Merci Alain. Pas trop pas. Non, non, tu parles, t'as rien dit de mal. Hein. Non, fais pas trop pas. Non, non, t'as rien dit de mal. Non, même ton sourire, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'autres discours. T'as pas besoin de faire de discours. Nous sommes à l'arrêt Charenton-Wattigny. Je sais pas si c'est dans le nord, quelqu'un pourra me le dire. Wattigny. Vous attendez le bus, les gars? Ah, il fait chaud un peu. Hein. Eh, hey, Wattigny, c'est pas dans le nord, ça? Là, c'est marqué Charenton-Wattigny. Je me demande si c'est Wattigny. Ah, c'est une guerre, ah ouais. C'est une. Ah oui, c'est une bataille de Napoléon, alors. Ah, là, là. Peut-être. Non, mais là, ça va, il pousse pas aujourd'hui, moins que la semaine dernière. Samedi dernier, avec Pierre Frédéric, là, qui a tout son bouteille roulant, c'était vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, mais là, aujourd'hui, ça va, t'es pas énervé, là, c'est bon. Là. Ah non, il y en a qui disent que c'est à vie. Il y en a qui disent que c'est à vie. C'est quoi, c'est à vie? Il dit une date de péremption de Macron. 2027, il y en a qui disent. Ah, je ne sais pas ce qu'il dit. Le voyant, il s'est dit qu'il n'y a rien à faire. Il est arrivé quand même à faire l'anguille pour rester là. Ouais, mais bon, il a, lui ou un autre, hein, ils ont des ordres, c'est tout. Il y a un plan. Alors, il y a le plan. Là, pour le Premier ministre. Alors, c'est Pécresse, là. On aura tout vu. Ah mais toi tu dis ça sera belle. Je sais pas, peut-être pas quand même. Elle habite à Versailles, tu le savais? C'est une Versaillaise. Ah ouais. Versailles. Elle disait qu'elle avait du sang corse, que son père c'était le. C'est une Versaillaise. Le psychiatre de la fille de Chirac. Ouais, bah ouais, je crois qu'elle habite à Versailles, moi. Je crois bien. Bon, hein. Maintenant, ouais. On va être dirigé par les Versaillais, mais ça a toujours été de toute façon. Elle a presque 60 ans, hein, Pécresse. Elle a fait de la chirurgie esthétique. Mais les Versaillais, ils ont toujours été là. Hein. Les gens du château, non? Ouais, c'est les mots. Si c'est pas Versailles, c'est Neuilly, Passy, Auteuil. Et voilà, c'est ça. Voilà. Là, t'as tout compris. Fais voir ton panneau. Fais voir. Date de 2022. Ah ouais. C'était juste avant la déclaration de la guerre. Je ne sais pas vraiment une déclaration contre la Russie et l'Ukraine, quoi. Ouais. Toujours d'actualité, hein. Non, chaos. La manipulation, ouais, la ruine du pays. Et puis bon, on peut quand même mettre un petit cœur pour l'Ukraine, parce que les Ukrainiens, bah, ils ont subi vraiment les conséquences. Hein. Moi, j'aimerais pas avoir ma maison écroulée, j'aimerais pas subir ce qu'ils subissent. C'est le peuple. Hein. Voilà, moi, j'ai vu des. Il y en a beaucoup qui sont partis. J'ai vu des vidéos qu'ils sont enrôlés de force pour aller se battre, ouais, alors qu'ils n'ont pas forcément envie de se battre pour de l'argent. Hein. À part une minorité. C'est ça. C'est comme à l'époque de Versailles. Les Versaillais, ils avaient donné des fusils pour la commune ou je sais pas quoi. Et puis ils se sont tous fait flinguer. Et... Ouais. Voilà. Bon, et ben voilà.